Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Star Wars V5 la de girafe. Donc chers amis, on y va, comme je l'avais précédemment dit donc dans le dernier épisode, sur une planète de type normalement minuit, si je me suis pas planté, voilà. Oh, puis avec un coffre juste à côté, c'est génial ça. Hop. Voilà, ça fait du bien par où ça passe. Et un deuxième coffre. Ça fait donc encore plus de bien. Vous êtes pas vilain? Ah, j'ai rien dit. Oh, salaud. Oh, c'est stylé ça. Même quand tu sautes, c'est stylé. J'ai pas pensé à prendre de la lave. Bah du coup, on va mettre quelques torches. J'ai pas pensé à prendre des torches, normalement non plus. Faut dire que j'ai refait mon inventaire, chers amis, normalement. Hein. Presque en entier. J'ai des crédits. Bah écoutez, on va mettre une torche, une cheap light. Par contre, ça serait bien si mon... Si mon jeu ne laguait pas. Pourquoi est-ce que mon jeu lague à ce point? J'aimerais bien aussi avoir ma torche. Merci. Voilà. Ok, parfait. Parce que si mon jeu lag énormément, c'est pas normal. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Intéressant. Mais pas de coffre. Pourquoi pas? Un coffre, justement. Non. Oh, ils sont sympas ces petits trucs là. J'aurais dû prendre plus de captures de Pokéball. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, soyons honnêtes. Ce sont tout simplement des Pokéballs. Tu veux pas me taper la discute non plus? Je sais pas comment je vais le prendre alors. Pas non plus. Vous êtes trop stylé! Trop stylé! Vous allez pas me donner votre armure? Reviens, Léon! Ton armure. Oh putain, il veut pas me la donner. Hein. Moi, je veux cette armure, chers amis. Ce sont des anti-Novakid en plus, quand ils pensent. Les Novakids sont faits d'énergie lumineuse et donc colorée. Eux sont complètement noirs. Oh! Par contre, est-ce que t'as bouffé aussi? Ah, oh, ça fait deux fois. Oh la vache, mais c'est lag! C'est d'une violence! Alors, je rappelle que je fais tourner des jeux en 4K, hein, qu'il n'y a pas de pépins de ce côté-là. Donc ça vient littéralement pas de mon PC, mais bel et bien du jeu. Alors est-ce que certains connaissent des façons de... d'allouer peut-être plus de RAM au jeu, ou je sais pas. Permettre au jeu d'être plus fluide. Enfin, je regarde sur internet s'il n'y a pas ce genre de choses. C'est con parce que nous essayons deux épisodes à tourner, du coup ça risque d'être un petit peu long. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, une session de deux épisodes. C'est vrai que ça fait pas beaucoup dit comme ça. Bon, bon, bon. Un peu de chance. Un peu de chance. Bonjour. Je savais que t'es méchant, je sais pas pourquoi. Recule. Un flair. Oh, ils doivent être stylés les flairs sur cette planète. Hop, quelques torches. Mais rien de bien intéressant en tout cas. Je m'attendais à... un peu... C'est une torche? Ah non, c'était un... D'accord. Rien par là. Ah, il y a un campement ici. Est-ce qu'il y a le bonhomme qui va avec le campement? Telle est la question.
peut descendre par là. La réponse est oui. Et par contre, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Il semblerait que la réponse soit non. Alors. Ah. Ok. Oh. Oh. Un camp de base humain. Oh. Et donc, tu comptes le faire repop instantanément tout le temps? Ou est-ce qu'il faut que je sais pas. Hop là. C'est une idée. Ah. Hop là, c'est stylé quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Ok, ça c'est fait. Dans un biome hive, hein. Donc j'aimerais qu'on sorte du... Comment du... Le voilà. Ah putain, le sac. Ah, il touche. GG. Raté. Eh, tu connais le coup du boomerang? Et il touche deux fois. Oh, il a lâché un truc. Alors, faut qu'on trouve des plans. Il y aura des plans, chers amis. Qui nous permettront d'avoir accès à des versions améliorées de ces armes, du boomerang, etc. etc., etc. Encore faut-il en trouver les plans. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est ce que j'avais lu en tout cas dans. Hop. Je l'ai déjà. C'est ce que j'avais lu en tout cas dans le log du jeu au moment où la mise à jour est sortie. Donc est-ce que ça a été bien fait? On n'en sait rien, j'irai voir entre les deux épisodes. Efficace cette arme. Sur ce biome en tout cas. Raté. Trop mauvais. Trop mauvais. Hop. C'est vraiment l'arme qui est faite pour le biome. Hein. Hop. Oh là, va forcément y avoir quelque chose là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Malheureusement, c'est pas ce que je voudrais. Moi, je voudrais bien avoir le costume des autres trous du cul, là. Hop. Eh ben non. Oh putain, il m'a touché quand même, le sac. Alors. Mais je vais crever en plus, dis donc. Ok. Un coffre. Clairement pas ce qu'on cherchait, mais bon, on va le prendre. Rien d'intéressant. J'aurais espéré. Est-ce qu'on a de la chance? Plus ou moins. Ça fait qu'il n'y ait pas de coffre. Des fois que. Du coup, oui, vérifions comme il faut partout. Apparemment, non. Alors, moi, il y a une autre chose qui m'inquiète, chers amis, vis-à-vis de Starbound, c'est que ça fait 2-3 jours
que le site est down, que personne ne parle sur Twitter. Et croyez-moi, moi ça m'inquiète, hein. Y'a rien dans ce caillou. Oh. C'est chiant ça. Parce que j'ai rien moi à côté. Ok. Wouhou, je touche. Salut les mecs, je viens en paix. Prout. Ok, elle t'est pas top, je reconnais. Et alors, parce que je viens en paix, prout, en plus c'est un classique quoi, merde. Respectez au moins les classiques. Alors, excuse-moi, hein. Fais comme si j'étais pas là. C'est toujours le vendeur ici. Ah non, il n'y a plus le vendeur ici maintenant. Ok. Ok. Donc les prochaines mises à jour vont instaurer les différentes, de nouveau instaurer donc certaines mécaniques du gameplay qui avaient disparu, telles que la faim et la chaleur. Donc ça, je pense que ça va être une bonne chose. Lesquelles, je ne sais pas, peut-être les deux, peut-être qu'une seule. Donc je préfère ne pas trop m'avancer. Tic tac tic tac tic tac tét. Oh, ça va être tellement propre. What? Il passe! Boum! Reste couché! Alors. Eh ben, on a fait le tour! Wow, raté! Fait mal ça ou pas? Mais ils sont nombreux en plus, hein, avec leurs grosses couilles là. Que ce soit honnête, hein, c'est des couilles. Hein. Oh, la brochette. Oh, ah, y a un petit temps. Hop les. Bon, bah, on va remonter. Ouais. Et bah, comme d'habitude, chers amis, on va reprendre donc l'exploration à petit feu. Avec donc un épisode pour chaque planète qu'on va faire. Moi, je vais vous montrer quelle planète on va faire dans le prochain épisode. La chaise est ici, c'est vrai. Faut que j'y pense. Hop. Alors, dans le deuxième système, nous avons une Frigid Ocean. Et une Frozen. Ben, on va prendre la Frozen, tiens. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Oh putain, faut leur mettre des musiques aussi. Et je retrouve mes instruments, je sais pas ce que j'en ai fait du tout. Ils sont peut-être encore à leur place. Bouconnement. Ça en a un bien d'instrument au moins. Celui-là. J'ai pas mon ocarina. Enfin si, j'ai le mien en vrai, mais j'ai pas celui-là. Merde, dommage. Je croyais que je l'avais. Ok. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Moi je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on fera le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, et j'ai encore foiré mon outro, génial, salut les gens.